Combien je vous dois? Le stylo est mou. Le chéquier est mou. Le bureau est mou. Tout est normal, mon cœur scintille. Son quatrième spectacle est un monologue très personnel. Jacques Gamblin mêle one-man show, performance physique et une bonne dose d'autodérision. Tout mou. Monsieur Gamblin. Oui. Ça va mieux, on dirait. Monsieur Gamblin. Oui. Il faut y aller. C'est un spectacle qui s'est écrit par improvisation d'abord, c'est-à-dire que je me suis jeté à l'eau là, à improviser pendant des heures, et en gardant tout ce que j'avais raconté, et ensuite tout ça a été écrit, noir sur blanc, et ensuite alors j'ai découvert qu'il y avait un thème, un fil rouge dans toutes ces improvisations qui revenaient comme un refrain, et ça s'est fabriqué comme ça. Dans ce spectacle total, Gamblin se lâche. Il devient clown, mime, et même danseur, une de ses premières passions. Elle me gratte, et puis ça me gratte. La danse me bouleverse, quoi qu'il en soit, depuis très longtemps. Et c'est une idée qui est venue très rapidement. Dès les premières lectures, déjà, il y avait déjà deux danseurs, parce que c'est un spectacle, ça parle d'amour, et j'avais très envie qu'il y ait des corps qui se portent, qui se touchent, qui se transportent, comme si le personnage délégué un peu, à un moment donné, faisait résonner les mots ou avait, je sais pas, le silence avec les corps. C'était une évidence, quoi, pour moi. Le grand thème de ce spectacle, c'est l'amour et la rupture. En cardiologue illuminé ou beau frustré, Gamblin nous fait rire. Je me demande toujours si une femme peut être séduite par un homme en short. Et nous touche avec une interprétation très personnelle de la passion. Il y a des gens... Vous leur dites « je vous aime », ils ne vous croient pas. Ils croient que ce sont des mots usés parce que vous les avez déjà prononcés ailleurs. Il faudrait dire à chaque fois des mots nouveaux, mais il n'y a pas de mots nouveaux. Il y a « je t'aime » et puis il y a « je t'aime ». Avoir quelqu'un dans la peau, c'est quand même une expression qui est réelle, qui se vit. Bien sûr que l'amour, c'est organique, physique, c'est de la chair, c'est... C'est bien sûr plein d'autres choses, mais c'est tout ça mélangé, en tout cas. On a bad day, looking for the greatest game. Ce mélange nous laisse une seule question à la fin du spectacle. Alors pour vous, c'est quoi l'amour? C'est quoi? Voilà. C'est indispensable.